Bonjour, c'est Claytech Pro. Je dis ça là. Moi, là, c'est tuyau. Non, je oui, un client. Alors, marché tuyau déjà. Mais que tuyau des motos. Puis, gants, casque de protection. Et le bon souffle, on a le bon détecteur d'Elma. On a le fait au basse cruel, au fusée cruel pour un client. On a le bon souffle, c'est là. 6000 BTU. Alors, nous voici par même. Fusée cruel, là. C'est Claytech Pro. Alors, pas oublier la poche moto. Toujours mettre passe, toujours mettre dedans comme outillage de protection. Et délibéré avec Claytech Pro, on va passer tuyau au niveau de freezer ça, de pour ça. Ok? Mais pour voir mes dimensions lisses, ok? Mes dimensions lisses. Ok. On va passer tuyau là-dedans. Bien rapide, que les motos là, pour ça. De ça. Après c'est deux le tuyau. Qui ça y est là? Le tuyau, trois huitièmes, les vêtements, clamp sur 3/8, access valve, alcool méthylique, gaz 42. Il a un 8e et il a 25 grammes. C'est ça. Nous prêts à le faire, je suis là. Alors. Ok. Et délibri. Alors, ça n'a fait. Nous allons aller couper ça là avec guider. De façon que pour nous caresser une séparation partie ça on va avec Gaïde voilà oui après ça on va avec Gaïde on a juste mettre le tol galvanisé pour protéger et éponge la cabale pour protéger son corps continuer l'humidité ok alors avant ça me fait avant de début et m'a passé tout à là tout côté va pas l'entrée là parce que tu as normalement fait t'as supposé venir là ou bien là passer là directement sortir
Voilà ça que j'ai fait, découpage, séparation fait entre deux compartiments, puis là, bon là maintenant, nous ok, et vous j'apparaître, bon, alors ça m'a fait, m'a mis un tol là, parce que je n'ai pas fait pour séparer, même du tout, je mettais un tol, ok, let's go. Yo, clams. Ok, c'est un clams. Ok, clams. Ok, on est tout bagay là. Good. Good job. Ok. Je ne vois là alors. C'est Kitech Pro, réfrigération, climatisation. Je veux dire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salaire sur panneau solaire avec une fête. Alors, quand tu veux contacter Kitech Pro, pour tout système, tout est en effet, réparation, maintenance. Ok, Kitech Pro. Thank you.
ça m'a fait, on a pas notre frappé. On va besoin de faire juste la tête là, vraiment, non? C'est bon pour nous, ok? N'a pas fait tuyau à la et même avec qui était avec des débris maquel attention hein? Ok mais maquel des amnats c'est quel. Ok, alors pour friseur ça, il n'y a pas de gain qui m'a suivi celui qui a une capacité de 6000 BTU. Alors 6000 BTU, c'est une puissance de 1050 watts et puis 10 ampères sur 115 volts. 115 volts. Ok, alors c'est moi-même qui était trop avec Deliwi pour la boîte qui était pour. En son, en beat, ok, et en électricité. Ok. Maintenant qu'il est venu là, on a passé dessus. Alors le tégotire, tu vas voir qui ça va voir avec et ça me dégoûte à la bille. Il est exactement le moteur. Il est exactement le moteur. Papa avec Col là, nous allons faire ce plat. On va l'acheter. Il est exactement le moteur. Qui sont encore deux qui sont exactement le moteur. After, nous allons faire encore. Ok, mes climatiseurs là, ça c'est un 6000 BTU. Tire 10 ampères, 115 volts. Nous allons passer les. Nous allons passer le tuyau là pour nous mettre le climatiseur sur lui. Ne pas faire que vous fassiez la rapide. Ok, alors ça c'est le tuyau 3/8. Cabellari 3/8. Cabellari 1/8. Et Dry R25. Gaz R22. C'est Claytech Pro avec Deliwi. Delma 33. Bah oui, Delma 33. Ok. Et alors pas oublier que ceux qui ont un problème de réfrigérateur climatiseur ou qui ont toujours contacté Claytech Pro pour une solution rapide de préparation, maintenance, installation. Et leur besoin de faire installation, batterie, inverteur, solution, sinon. Et chaque mois, toujours été connecté pour connaître qui les formations ont fait. Alors nous te mettons ça, c'est ça non, parce que nous te coupé compartiment ça compartiment ça. Alors comme éponge tu parais en pile, alors nous mettons là juste pour que pas paraître loin. Ok, d'accord, pour que là nous mettons un toile. Aki, mandaki. Et l'année venue quoi ça n'a bien serré tu vois comme ça c'est bon hein? C'est bon c'est bon hein? C'est bon.
c'est Freezer Creole avec un climatiseur. C'est 1000 BTU. Alors, on a regardé avec ce climatiseur là. Et 6000 BTU. Et plutôt pour les confirmer 1050 watts. Alors c'est ça, ça est traction électrique, il y a niveau de série, modèle, tout ça. Mais, alors mes climatiseurs là, on va mettre dessus. Pour le JBA. Donc on va faire les passes électriques. Pour les. On va quand même mettre les. Non, comme c'est 6 blocs, 2, la suffit. Yeah. Non, 2 comme ça, 2 neuf. Ouais. Okay. Yeah. Avec réfrigération et climatisation. Alors, merci avec tout le monde qui toujours supporté notre page là. Toujours été connecté pour qu'on soit toujours au courant de tout ça que nous avons fait. Alors, je vais là, je vais arrêter pour une pause, je vais arrêter pour une campagne. On a travaillé chaque jour et chaque jour, on travaille pour une bonne, plus belle, plus bonne vidéo. Alors, c'est que pour, je dis à la, nous faisons la conversation créole, côté que nous utilisons deux ou l'autre tuyau. Et 3/8, 2 ou le tuyau 3/8, ok. Et là, on a mis un climatiseur sur lui, parce que vous le bien congelé. Alors, c'est ça. Et ça me fait comme travail c'est l'électricité, c'est climatisation, c'est plomberie, c'est informatique. Alors, staff là complet, staff là comblé. Alors, toujours été suivi, toujours été connecté, abonné à la chaîne YouTube là. C'est Tech Pro. Ok, ça c'est une base juste là, là et oui, on est là au niveau de pour figer de ça, tuyau voilà. Là on va le connecter soudé puis mettre gaz. Let's go.
Non, quand même, Alors, pas oublier que chaque mois, nous toujours faisons formation en ligne, formation sur ça qui a rapport avec préparation inverteur, assemblage inverteur, installation panneau solaire et inverteur. Alors, toujours être connecté, merci avec tout le monde qui a fait cette vidéo. Ça, à la prochaine.